answer something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. Find who I am and I've been. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les colos terminés du mois de janvier. J'ai deux colos que je peux pas vous montrer parce que c'est des défis challenge et ça n'a pas encore été publié, donc voilà, je peux pas vous les montrer, mais bon, je vais vous montrer les autres, du coup ça fait moins de colos. Désolée pour les notifications, parce que bon bah Serette et Taz sont des pipelettes, voilà, je vais encore me faire crier, mais c'est vrai. Donc au mois de janvier, je suis allée dans le... J'arrive à me... Là, je passe la main entre... dans mon trépied, en fait. C'est très pratique. J'ai toujours pas trouvé comment vous filmer ces vidéos. Va peut-être falloir que je refilme au salon, en fait. Que je fasse comme je faisais avant. Mais bon, avant, mon bureau était dans le salon. Enfin, bon, bref. Va falloir que je trouve... Donc, j'ai fait celui-ci. Est-ce que j'ai noté avec quoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire celui-ci? Le fond, c'est du aquarelle supervision, mais bon, clairement, le papier n'a pas vraiment supporté. On voit que ça a bavé de fou. Enfin, bon, bref. Donc, supervision. J'ai essayé le masquage d'Albe. Et on voit au niveau de Dingo ou même Mickey que s'il y a un restant de jaune. Enfin, ça, le produit est jaune fluo, hein. Donc ça, voilà, ça reste. Je trouve que ça reste. Donc voilà, je suis pas satisfaite du produit. Voilà. Donc ça, je ne vous le recommande pas. Ensuite, on a. Qu'est-ce que j'ai mis là dans les petits Pentel hybrides. Voilà. Sinon, c'est les combos d'Ohana au Prisma. Ouais, Pentel hybrides dans les petites têtes de Mickey là. Mais oui, j'ai beaucoup mouillé mon papier, donc le papier a fort souffert. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé pour celui-ci. Ça serait bien que j'essaye de faire cette page-ci, mais voilà, je vais faire sûrement... Mais même plutôt, il est tout bleu, enfin, je sais pas ce que je vais... Je ne sais pas ce que je vais faire, mais voilà. Oui, il faudrait que je le... fasse. Je sais pas comment, du coup. Pour que ça suive. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour mon colo commun Facebook, d'ailleurs j'ai oublié de l'envoyer, va falloir que je le fasse après. Je suis allée dans mon grand classique Art déco tome 2. Oui Bella, tu veux quoi? T'es pas contente? Oui, bah oui, bah vas-y, marche sur mes livres. Donc, je voulais choisir celui-ci pour me forcer à y retourner en fait. Parce que bon, c'est pas ce qu'on préfère, hein, clairement. Vu qu'il y a plein de motifs papier peints. Mais bon, voilà, j'ai choisi celui-ci. Il faut que je redézoome. Voilà. Donc, Dingo, il y a une pochette plastique dessus. Hein. J'ai utilisé les encres Action pour le fond. Aussi bien les petites dernières, là. Si je... vais chercher, ça va, voilà, mon livre va servir, mais bon, les petites boîtes métalliques là, les dernières qui sont sorties et les anciennes en forme de goutte, j'ai utilisé pour le noir, il me semble, je sais plus, enfin bon, bref, il me semble que j'ai utilisé les deux packs pour celui-ci. Les combos d'Ohana toujours au Prisma, donc pour le personnage, et voilà, ça a été rapide à faire vu que j'ai vraiment pas tenu compte des igouigouis dans le fond ou dans le vêtement, donc ça a été super rapide à faire et j'ai bien aimé le faire, donc c'est pour ça que j'aimerais bien y retourner rapidement et voilà, faire tous les blocs que j'ai dans le même style avec plein de motifs dans le même genre, en fait vraiment occulter les fonds, les machins, et puis faire le colo sans m'en préoccuper. Voilà. Bella, merci, mon PDF. Oh là là, elle a mis la patte dessus. Super, il est tout déformé. Je kiffe ce chat, je kiffe ce chat. Ensuite, je suis retournée dans mon Midnight Masquerade où j'avais fait le chat en commun avec Princesse, avec Claire. Et du coup, j'avais fait
le fond de la page d'à côté, voilà, pour qu'elle matche. Et ensuite, voilà, je suis venue faire cette petite poupée où là j'ai utilisé mon aquarelle néon Paul Rubens. J'ai utilisé là le doré, je sais plus lequel c'est. C'est laquelle Donc le fond, il y a du Supervision, il y a du Paul Rubens et du Deco Art Purple Eclipse. Faut que je vous montre parce que là ça doit pas vous parler ça. Où est-ce que je l'ai mis? Ah. C'est ça que j'ai utilisé pour le fond, les paillettes que j'ai rajoutées voilà, par-dessus. C'est ceci. Par contre, le doré, c'est quoi? Ah, c'est le PBO Or Antique. Un peu de silver. Pentel Hybride pour le col, je pense que c'est ça. Sinon, c'est du Prisma, du Luminance et un peu de Midas. Bah, Midas, ça doit être ça. Ah oui, là, c'est Midas et là, c'est l'Or Antique. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux dorés. J'ai ma caméra qui clignote, c'est magnifique. Il va vraiment falloir que je me rachète une batterie parce qu'à mon avis, celle-ci est opérationnelle. Hop, ça là. Donc ensuite, j'ai entamé mon grand carré portrait où j'ai fait une réponse. Où là j'ai utilisé bah, les prismas pour le personnage. Et j'ai pas noté, bien entendu. Donc Oana Combo. Sinon ça va être du néocolor sur du néocolor. Du hybride. Par contre lequel c'est, si c'est AliExpress ou quoi. Mais AliExpress il fonctionne plus des masses. Là vraiment je suis déçue. Des derniers que j'ai pu commander, ils fonctionnent pas super. Donc je vais plus en commander. Je pense que je vais me prendre les Sakura, les Moonlight ou je sais pas quoi, les Stardust. Je sais plus lesquels c'est, les pailletés, mais je pense que je vais me prendre ça. Je serai sûrement moins déçue. Donc voilà. Pour celui-ci. Toujours du Jelly Roll blanc en 10 dans les yeux. Hein. Et en live, parce que ça y est, je fais des lives sur Twitch. Je voulais pas annoncer ou quoi que ce soit, c'est venu comme ça. Voilà. Ça faisait un moment que je voulais en faire, mais je savais pas trop quand j'allais pouvoir le faire. Et vu que là, je suis en arrêt pour un petit moment normalement. Et ben voilà, j'en ai profité et ça me permet de focaliser sur un truc et du coup je me suis lancée et voilà, ça c'est le premier colo qu'on a fait en live. Pour le fond c'est des Neocolor 2, par contre le papier il est pas ouf, voilà, je trouve qu'il bouloche, je sais pas si vous le voyez, ça fait des effets texturés, enfin je trouve, j'aime pas trop, mais voilà, il aime pas trop l'eau et moi j'aime bien travailler sur du mouillé sur mouillé, donc voilà. Donc ma petite Mulan, où j'ai utilisé du coup les combos de Mademoiselle Disneyland pour Mulan, Prisma et Polly un peu pour les fleurs. J'ai du Jelly Roll en 10, il y a du Drawing Drawing pour tout ce qui est arbre et voilà. Il n'y a pas de paillettes dans celui-ci. Mais voilà pour ce colo. Donc du coup déjà deux dans le petit dernier qui est arrivé, je suis contente. Ensuite j'ai fait un PDF et ça y est je ne sais plus de qui c'est. J'essaierai de vous le mettre en annotation sur l'écran parce que je ne sais plus. Voilà. Et oui, Bella elle s'est mis dessus. Du coup, là on voit un fond du coup avec les feutres à alcool OU. Donc j'ai les pastels que Taz m'a gentiment offert. Merci. Merci, 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 merci. Donc voilà, on a du... Et je ne l'ai pas du tout noté, celui-là dans mon carnet, donc je l'ai complètement omis celui-ci. Donc je ne sais plus trop ce que j'ai mis, je pense que là c'est du Paul Rubens sur les papillons, l'effet nacré, tout ça. Sinon on doit avoir du Prisma, c'est sûr. Les cheveux, je pense que c'est quand même du Prisma. Je ne sais plus trop. Et pour tout ce qui est... doré, tout ça, c'est ça là, les crayons qu'il y avait dans un kit il y a très longtemps de cartes postales Hachette.
art thérapie. Donc j'ai plusieurs crayons comme ça à paillettes. Donc là je me suis dit, vu que c'est du AI, c'est très, il y a des endroits où je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai mis de la paillette. Voilà. Donc voilà pour celui-ci et ça sera le dernier. Oui. Donc voilà pour les colos du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Je fais des lives du coup le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h15. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou, ça fera plaisir. Et donc voilà pour mes colos du mois de janvier. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao !